Je dis à, et chemin de défense Haïti, qui a l'honneur et privilège de rencontrer la presse, dans une conjoncture bien spéciale qui caractérise ou juste qui domine par ensemble situation que la population a vivre là. Mais ça, la population a vivre là comme situation, et il y a des gens qui sont responsables. Et nous avons tendance à remarquer qu'il y a des acteurs, y a des instances, il y a des groupes qui commencent à déresponsabiliser tête pour responsabiliser leur groupe. Mais écoutez, société haïtienne connaît que gagner de groupe, la majeure partie de la classe politique haïtienne, le gouvernement, la communauté internationale, à travers l'ambassade américaine, le corps groupe, etc., c'est eux-mêmes qui gagnent responsabilité totale dans sa capacité là. Responsabilité côté que, mais pas gagner libre circulation des vies et des biens, côté que gagner de capitaux qui sont en situation difficile, gagner de l'emploi qui a disparu. Il y a des gens qui ont assassiné. Il y a des groupes qui sont responsables. Puisque, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, toute population haïtienne te connaît que te connaît tout groupe qui t'a demandé, eh bien, la solution la plus plausible, la plus facile à la crise, c'est l'application de la Constitution de 1987. Combien ça t'a coûté au groupe acteur politique? Combien ça t'a coûté, M. Damio, il était allé vers la Cour de cassation, procéder, et Jean-Latide 149 l'a dit là, au choix des juges pour combler le vide présidentiel. Et puis, montons gouvernement d'entente nationale. Combien de temps ça va le coûter? Donc, je dis, nous, avec initiative et parole et question, un gouvernement largement large, maintenant qui ça a mené nous là? Et tout le monde qui t'a parlé des questions gouvernement largement là, c'est eux qui mène nous là, je dis. Il faut que la société a responsabilisé. Donc, maintenant, dans la situation où nous sommes là, nous-mêmes au niveau de chemin de défense Haïti, nous venons remarquer que il y a des voix qui commencent à lever, il y a des citoyens, des personnalités qui commencent à comprendre que le moment est venu pour que nous mettons fin avec bataille qu'a faite là. Donc, pour que nous allions vers la Constitution comme une démarche qui est plus facile, une démarche qui est plus simple. Donc, c'est dans ce sens ça, nous venons dire que, et nous lançons appel à tout groupe, à toute structure politique, à toute l'autre personnalité qui comprend la nécessité pour nous et rentrer dans la dynamique Constitution 47 là, qui vous permet que nous résoudre la crise. Permettre nous résoudre la crise, c'est pour la facilité que. Et mais fait d'année ça qu'a privé là. Même les autres te dit que le peuple n'a pas non fait parce qu'il n'a pas l'argent. Mais nous-mêmes dans le chemin de l'Université d'Haïti, nous croyons que le peuple est capable de faire d'année, leur gagner la paix d'esprit, leur gagner toute quiétude d'esprit, leur gagner la paix sociale pour ensemble avec la famille, aller à l'église, aller prier, relayer le Seigneur, jeter de l'eau pour être capable de planifier une nouvelle année 2023, pour être capable de planifier de nouveaux projets, non seulement avec la famille, mais avec tout le pays de projets à long terme. Donc, dans ce sens, nous croyons, eh l'appel à la solidarité citoyenne que nous venons lancer aujourd'hui au niveau chemin de l'Université d'Haïti, pour permettre que à toute personnalité, à tout groupe politique, à tout secteur dans la vie nationale là, pour nous embarquer vers le projet de la Constitution, vers l'article 149 de la Constitution de 1987, qui a permis que nous, rapides, dans 24 heures, 48 heures, nous procéder à un juge à la Cour de cassation et mouton gouvernement d'entente nationale réduit de quelques ministères qui vous permettent que nous allons poser des actions pour permettre que la société haïtienne ne ralentisse pas souffle dans la nouvelle année qui va rentrer là. Donc, raison ça, il y a fait que nous rencontrons la presse pour nous dire à tout secteur, quitte PHTK et famille Lavalas, petite de Saline, en nous tendant la raison, en nous prenant la constitution 47 là, pour nous mettre fin à la crise là, et qui a permis que nous possédions un choix de juge et mouton gouvernement de tête nationale dans la fin année pour nous permettre que le peuple là passe la fin année en silence, avec la paix d'esprit et permettre que lui rentrer dans une nouvelle année qui est capable de permettre que lui planifier de projets à long terme pour être capable de recueillir dignité, recueillir indépendance, recueillir souveraineté. Je nous tout à prôner ça au niveau chemin de l'Université. La prochaine pour nous dire qu'en pile et acteur politique, en pile secteur qui a pris en main, qui a montré que tu as une constitution, ça qu'il a, pas de provision légale pour que le président c'est accord, c'est consensus, c'est ensemble de démarches qui a fait contre la constitution. Nous-mêmes nous disons qu'il y a une provision légale, une provision légitime parce que c'est seule constitution 87 là qui est capable de résoudre la situation. Pour qui ça? Parce que nous avons entré dans notre démarche amendement constitution qui n'est pas jamais fait dans sa globalité et dans sa et compréhension de mon peuple. Donc je dis,
Nous même au niveau chemin de l'Ouest, nous avons dit que il est clair que je dis à fond nous débarrasser pays de toute forme de discrimination ça qu'a fait là, de hypocrisie ça, faut nous mettons de côté pour que nous appliquions la constitution dans une démarche qui plus simple. Et nous croyons que je dis à la population haïtienne soif et application de la constitution. Nous croyons que pour l'y appliquer, et ça fait nous-mêmes, nous t'emmènons en démarche dans tout secteur à travers Vaudou, l'Église catholique, l'Église protestante, tout secteur ça, pour que nous entrions dans la dynamique pèlerinage et mobilisation citoyenne. Avec. Et pour plus près, quand venir là, il y a 9 ans de mon mari qui pral démarrer semaine 15 novembre qui venir là. Donc nous-mêmes, au niveau chemin de délivrance, n'a nan 9 ça jusqu'à 8 décembre. N'a la donne avec un seul objectif. Un seul objectif côté que nous mandé maman Marie pour aider nous faire acteur comprendre et nécessité pour ces constitutions 87 là qui appliquer pour que la loi finalement pas capable en bas, c'est la loi qui doit au-dessus parce que je dis clairement que situation nous vivons là n'est pas possible. Li inadmissible, li mène dans une situation alarmante. Donc, nous dit, c'est application constitution à travers Nevenio, à travers Moche, mon mari pour le faire là, dans le jour qui vient, côté que nous-mêmes, dans la rue, nous avons investi espace pour nous faire tant de voix nous et faire la population consciente et comprendre. Et pour mon mari, je ne dis là, faire acteur, nous devons appliquer la constitution 87 là dans sa globalité. Merci. Ah, exactement, j'ai tiré. J'en ai constaté là. Tout le monde qui est évacué.